Analambda.fr, Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Patricia. Alors Emmanuel, sur votre blog, on trouve beaucoup de choses. Hein. C'est un blog, on va dire, vivant. Oui, exactement. Qui propose des balades. Des belles balades, comme dernièrement Paléopolis. Je sais que vous en avez parlé il n'y a pas très longtemps. Ça vous a plu, entre guillemets? Ah, j'ai adoré. Ouais, vous aussi. Et mon fils était fou, aussi, donc ouais. C'était génial. D'accord, super. Donc, elle a aimé Paléopolis, elle le dit sur son blog. Voilà, et exactement. Puis, il y a des choses qui vous en pèguent la vie. On croirait qu'on est dans le sud. Ouais. Alors, il paraît que vous êtes allergique au gluten. Ouais. On rigole pas, c'est pas drôle. Comme tout le monde. Ouais, alors comme beaucoup de monde qui, effectivement, prennent le pli de suivre la mode, tout ouais, simplement. C'est ça. Sauf que ça m'embête un petit peu ce que vous dites parce que moi je suis vraiment allergique et c'est vraiment un gros problème parce que c'est compliqué de manger tous les jours et puis c'est surtout compliqué d'aller au resto. Alors on appelle ça la maladie cœliaque, hein, c'est alors, ça ? Ouais, il y a la maladie cœliaque effectivement qui touche 1% de la population. Mm-hmm. Moi je ne suis pas malade cœliaque. Vous êtes intolérante. Je suis intolérante au gluten, mais ça me rend malade, ça me couche 4 jours, oui. Ne peux pas dormir 4 jours, 4 nuits, enfin c'est l'enfer quoi. Alors justement un bel exemple pour nous dire un peu comment ça se déclenche, depuis quand et comment on le sait finalement ? Alors, j'ai toujours été intolérante sans le savoir, jusqu'au jour où l'intolérance vraiment a fait que je pouvais plus du tout en manger. Ça se traduit après manger, si vous avez un ventre qui triple de volume, là déjà vous pouvez vous poser des questions. Donc moi ça a toujours été le cas, comme ça, après chaque repas, jusqu'au jour où un jour j'ai été vraiment malade, comme une énorme gastro. D'accord. Donc je vous passe les détails, hein, mais voilà, c'est extrêmement, extrêmement douloureux. Douloureux, désagréable. C'est très, 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 très douloureux, vraiment. Et à partir de ce jour-là, c'est venu un peu d'un coup, hein, mais toujours j'avais été comme ça. Et puis en 2012, j'ai été obligée de faire régime strict. D'accord. Vu par un médecin qui l'a confirmé, je suppose, ouais, parce tout que à fait. Il faut aller voir un allergologue. Alors j'ai fait les tests pour savoir si la maladie cœliaque était réelle chez moi, ce n'était pas le cas, c'est une maladie génétique. Et puis par contre on m'a fait des allergies, des tests d'allergies, oui. Et là ça grosse, grosse réaction au blé. Alors comment on mange du coup? Eh ben, parce que c'est le blé, oui, il faut le préciser. Voilà, alors on cuisine beaucoup soi-même parce que sinon c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a du gluten partout, 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 partout. Même dans des endroits où on ne le soupçonnerait pas, dans des yaourts, j'en ai trouvé. Et moi, les traces de gluten me rendent malade, donc je fais super gaffe, vraiment super gaffe. J'ai passé un an et demi sans aller au resto. Vraiment. D'accord. Et là, j'ai quand même trouvé quelques coins sympas à Clermont où les gens font très attention. C'est vrai. Ouais, ouais. Allez, on va être sympa avec eux puisqu'ils sont sympas avec nous. Vous avez une petite adresse ou deux pour eux ? Eh ben, il y a Myrtille déjà qui fait des gâteaux sans gluten, donc on va régulièrement goûter chez eux. Et puis sinon, les restos qui cuisinent maison, là, il n'y a pas de problème. On peut leur demander. Leur dire, attention, voilà. Donc il y a le nouveau resto Polypod. Mm-hmm. Place du Changil, la cuisine est à tomber par terre et puis ils font sans gluten. Ils font sans gluten quand il le faut. Quoi. Voilà, exactement. Il y a le Chardonnay aussi. D'accord. Quelques petites adresses sympas où on peut manger sans gluten, sans souci. Merci beaucoup, Emmanuel. En tout cas, des petits tuyaux pour les personnes qui, comme vous, sont vraiment donc. Oui, vraiment. Ça existe, il y en a. À très bientôt. À très bel bientôt. Été à vous. Oui, merci vous aussi. Et ben voilà.